Waouh, ça a vieilli quand même, hein? Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue sur la chaîne, ravi de vous retrouver pour une découverte ce soir, Wild Arms sur PSX. Wild Arms, c'est quoi? Bah, c'est une série qui se compose de 5 jeux, d'après ce que je sais, et le premier est sorti en 96 sur PSX. Une licence que je connais très très mal, hein. J'ai les jeux, mais je les ai pas faits. Le 1 me dit quelque chose, je pense que j'y ai mis les pieds mais il y a très très longtemps. Mais je sais pas, ça m'a peut-être pas marqué, j'en sais trop rien. Mais en tous les cas, ce soir, c'est découverte, puisque je m'en souviens pas. Du coup, je vais pas en parler 50 ans dans l'introduction, et on va tout de suite démarrer. Et bonsoir tout le monde, Mona, Yann, Nanatoru, Asuka, Az, comment ça va? Alors, j'ai cru comprendre qu'il y avait trois personnages dont il fallait démarrer l'introduction avant qu'ils se rejoignent à un moment T de l'histoire. On va commencer par celui-ci, la jeunesse en vadrouille. Salut Omikami, merci pour le raid, mec. Et bonsoir, Uno Star. Petit à petit, la vie disparaît de cette terre. La destruction de Filgaia se poursuit doucement, mais sûrement. Un pays ravagé et hanté par de féroces monstres qui tourmentent des habitants, se battant corps et âme pour préserver leur terre, Filgaia. On appelle chasseurs de rêves ceux qui partent à l'aventure. Il y a un garçon dans le village de Surf. On a du mal à imaginer que ce garçon recèle le potentiel pour devenir chasseur de rêves. Que cherche-t-il? Remettons ça un autre jour, merci beaucoup. Les tonneaux sont tous rangés.
J'ai fait appel à tes services sur recommandation du maire Piffer. Il s'est avéré que tu es bon. Au fait, quel est ton nom? Si, c'est la série que suivait Shinzen, effectivement. Rudy, ça me va très bien, ce sera Rudy. Rudy, tu es plus solide que tu n'en as l'air. Les chevaux ont l'air heureux. Voici ta paie d'aujourd'hui. Excuse-moi, mais c'est tout ce que le village peut t'offrir. Va voir si le maire aurait plus de travail à te proposer. Encore merci, à toutes. Par contre, la police est affreuse. Ils avaient des choix à cette époque. Waouh. Bon, on contrôle déjà Rudy. D'accord, le menu, c'est très bien ça. Des baies, mais on sait pas ce que ça fait. Bon, je présume que ça soigne. Hein. Ça, ce sont les ordres. Intégral, équilibré, défense, survie, réserve. Wow, on peut casser les caisses. Trop bien. Celle-là, non. C'est quoi le bouton pour parler? C'est ça. Donc ça doit être le bouton pour fouiller. Cool. Ça vous rappelle rien? Jadis, on trouvait dans la grotte du sud de Puissante Baie, appelée Baie Sacrée. La dernière graine ayant été utilisée pour tuer un monstre, il n'en reste plus. Tu veux en savoir davantage? Bah ouais. Autrefois, un monstre empêchait les villageois d'aller cueillir des baies dans la grotte. Les villageois firent appel à de nombreux chasseurs de primes, mais le monstre ressuscitait sans cesse. Alors qu'on avait perdu tout espoir, un des chasseurs de primes eut une idée de génie. Il pensa à semer une graine de baie sacrée dans le monstre pendant sa régénération. La graine germa et inocula sa magie au monstre. Personne ne croit plus en cette histoire, c'est devenu une légende. Ah oui, il y a des trucs dans les tonneaux. C'est quoi ce bruitage pourri quand tu soulèves une caisse? Attends, c'est trop bien, ça fait un espèce de bruit de canard. Salut gars! Bon, le problème c'est que pour fouiller, c'est aussi le bouton pour courir. Évidemment, on va tout fouiller. Hein. Ta condition de chasseur de rêve doit inquiéter tes parents. Ah, tu n'en as pas? Je suis triste pour toi, je m'excuse. Quack. Ouais, c'est un bébé canard. Bienvenue, que puis-je pour toi? Récup 200 PF. Des points de fi. Supprime poison, maladie. En fait, il y a une touche qui permet de savoir ce que ça fait. Hein. Du coup, on peut regarder ici ce qui se passe. Augmente vitalité d'un point. Ça doit être... Ouais, c'est permanent. Il est bizarre ton bébé canard. Bah quoi? Il est malade, c'est tout. Bienvenue au village de surf. Les touristes sont toujours les bienvenus ici. Hé, le môme, es-tu chasseur de rêves? Si j'étais encore célibataire, j'adorerais me lancer dans une vie d'aventure. Connais-tu Calamity Jane? Elle est chasseur de primes. Ses combats contre les monstres sont célèbres. Elle doit être très belle. Bon, ça n'a pas vraiment de rapport, mais... Bonsoir Quill, comment ça va? Oh, j'avoue, les bruitages sont monstrueux. Hein. Peu de personnes le savent, mais le niveau d'eau du puits baisse chaque année.
On dit que la fin du monde est proche, c'est sans doute un présage. Ouais, ça va super, merci. On t'a dit que c'était western? Bah, j'ai un peu les jeux, donc j'ai vu un peu la jaquette. Et bon, j'ai bien vu qu'on avait un flingue ou je ne sais trop quoi. Pousse-toi, toi! T'arrives quoi, là? Elle est là à m'agresser. Donne-nous des graines! Oui, j'aurais compris avec Calamity Jane, effectivement. La petite ref. Bon, commence pas, gars. Hein. C'est pas un flingue, mais une arme. Sans eux. On découvre, monsieur, on découvre. Rudy, tu dois t'ennuyer dans un village comme celui-ci. Ouais. Rudy, t'es sans pitié. Ce village était des plus vivants lorsqu'on y faisait le commerce des baies. Tiens. On peut pousser ces espèces de tonneaux. Ouais, je dis espèces de tonneaux parce qu'un tonneau qui fait ce bruit quand tu le pousses... Quand bien même il est métallique. Bon, je crois que j'ai fait le tour du village, mais je suis pas allé ici. On dirait des barils, c'est ça. C'est avant FF7 quand même. Ouais, enfin, il y a un an qui les sépare, hein, et encore. Mon mari m'a dit que tu travaillais dur. Ta fatigue doit être grande. Il y a des lits en haut. Veux-tu te reposer? Peut-être après. En tout cas, il y a des trucs à ramasser. Hein. Ça, c'est sûr. Rudy, comment vas-tu? Grâce à toi, les écuries sont fort bien entretenues. Prends ceci en témoignage de ma gratitude. J'ai trouvé ces bombes il y a longtemps, alors que j'explorais d'anciennes ruines. Cela pourrait être utile. Merci, papy. Donc ça détruit des petits objets. Et donc ça va nous permettre de dégager l'entrée de la grotte qui est au sud, apparemment. Maintenant qu'il n'y a plus de baies, nous n'avons plus besoin. Nous n'en avons plus besoin. Le monde est en plein déclin et notre village commence à le ressentir. Bonsoir, Evenflown. Comment vas-tu? Excusez-moi, je dois parler au maire de toute urgence. Un enfant du village est entré dans la grotte à baies. Ah non, c'était l'autre qui parlait, pardon. Comment? Qu'allons-nous faire? Avec cette police, pas toujours simple de savoir qui parle. Cette grotte est pleine de monstres. On ne peut pas faire grand-chose. Je dois exposer la situation à nos concitoyens, mais garde cela pour toi. On ne peut se permettre une panique générale. Je n'ai pas de temps à perdre. Quel enfant insupportable! Moi, je vais aller au dodo. Les musiques sont hyper chouettes, hein. Bah, on va aller au sud alors. C'est moi que je décide.
La cave à baie. Bon sang, une seconde d'inattention et ce gamin prend les devants. Aucun villageois ne peut entrer ici. Que dois-je faire? N'avance plus, les chauves-souris sont signes de danger. Abandonne. Certainement pas. Ça y est, les combats. Ah oui, je vais essayer la bombe pour la grosse pierre. Force. Ok. Oui, c'est rude. C'est rudy même, j'ai envie de dire. Bah, ça vieillit quoi, hein. C'est quoi cette histoire de force level up là? Les combats sont speed apparemment, ouais. Ça me fait pas de dégâts. C'est bon à savoir. Tu dis que c'est pour ça que le jeu est connu, Nanato, l'OST? Ouais, enfin, ça serait pas le seul, hein. Il va falloir qu'il nous offre autre chose que l'OST. J'en attends plus. Ouais, ça va, les... Les combats sont pas désagréables, vu qu'ils sont, semblerait-il, rapides. Ça, c'est totalement aléatoire, si je comprends bien. En fait, ça fait penser à Golden Sun graphiquement. Il y a un levier, tu le tires? Ouais. Ça fait quoi ça? Ah, c'est pour changer le stuff en combat? Ça, c'est bien. Et ça? Manuel, intégral. Ça c'est quoi? Je dis. Je sais pas ce que ça fait. Ça c'est pour fuir, je présume. Alors par contre dans le menu d'attaque on a plusieurs trucs. Arme chargée. Très bien. Canon main, balle restante 8-8. On va savoir comment ça se recharge par contre. Les objets, la défense. ATP 10. On va essayer. Ouais, je présumais que c'était la formation, effectivement. Oh, c'est pas mal, ça. Bonsoir, Saphira. Comment ça va? Quelle déception. Alors, il y a plusieurs passages. Non, il n'y en avait qu'un. En fait, au début du combat, ma force est à 0. Elle augmente au fil du combat. Ça fait comme une espèce de jauge de limite, sauf qu'elle est remise à 0 à chaque combat. Très bien.
Ouah, il fait mal lui, le farfadet là. Ah mais ça va utiliser une balle du coup. Et le doigt c'était quoi? La manière dont il meurt les ennemis c'est waouh. Ouais, ouais, j'ai vu que ça utilisait des balles. Je sais que j'aime pas lire, mais quand même. Si je laisse appuyer sur le bouton X, je peux courir. Ouais, mais faut le charger, c'est très embêtant. Salut Thomas, ouais, rétro-futur. Ouais. Un couteau. C'est déjà ce que j'ai, je crois, non? Ouais. Est-ce que je peux en avoir deux? Alors, c'est quoi des PF? En fait, c'est les HP quoi. Ouais, je sais qu'il n'y a pas de save auto. Ce jeu date de 1453, c'est ça? Avant Jésus-Christ, ouais. Ne romps pas ce signe, attention, abandonne. J'ai pas vu s'il me droppait des items de soins, les ennemis. Pour savoir comment je vais appréhender les choses. Je connais pas du tout la difficulté du titre. Moyen voire facile le jeu de manière globale. D'accord. Oh, mes HP ont bien augmenté. Il me semble que j'en avais 75. Le passage de niveau qui te double presque ta barre de points de vie, quoi. Comment ça c'est mou, c'est super dynamique, tu mens. Ouais, je récupère des soins. À les tuer en un coup, ça rigole plus. Ça me fait penser que j'ai pas utilisé ça. Vitalité et force. Je vais les utiliser maintenant parce qu'on sait très bien comment ça va se passer. Je vais les garder jusqu'à la fin du jeu.
les utiliserai pas. Alors que c'est maintenant que ça risque de me servir. Silence, les bruits réveillent les chauves-souris, attention. J'ai très envie de les réveiller. Le gars, c'est un cyborg. Il a les yeux noirs abyssal. Il a des yeux de crevette, j'ai envie de dire. Voire de requin. Les yeux de la mort. C'est l'intro du perso, donc ça va. Ouais, mais bon. Autant se donner toutes les chances. Hein. Et rarement pour les drops. C'est comme les compétences qui sont censées tuer ou empoisonner ou paralyser. Ça marche pas souvent. Coupe quasi fatale. Pourtant ça lui a été fatal. C'est pas plutôt un coup critique? Je me souviens surtout de ce jeu pour ses musiques et son histoire dramatique. D'accord. Sacré. Supprime mauvais présage. Tu connais pas le jeu, Mikami? Bah moi à peine, hein. Mais ça me dit quelque chose, j'ai dû le faire quand même, je pense. Peut-être pas jusqu'au bout. La marque sacrée va lever la malédiction des chauves-souris. Ok, faut que je l'utilise ou... C'est vrai que ce genre de jeu, on n'y joue pas vraiment pour le gameplay, hein. Quoi qu'il est peut-être très intéressant quand on aura les autres persos, je sais pas. Hein. Mais avant tout pour l'histoire, voir la musique. Bon, ça va, ils sont pas trop radins en soi. Et c'est ça. Il y a un truc sur lequel j'ai trébuché. Je sais pas pourquoi je recule, hein. Ça me fait rien. C'est l'habitude de Zelda, je pense. Oh, ça s'est cramé, ça. Je crois qu'il y avait d'autres trucs par là avant. Simulation de kamikaze? Non, d'artificier. Est-ce qu'on sait dans combien de temps on va prendre un niveau? Next 36. Chance bad. Mmh.
Mais est-ce que c'est par là que je dois commencer? Il y avait quand même la grotte là-haut. Hein. Je pense que je vais y faire un petit saut. Je préférais taper les autres, sur cela je perds des points de vie. Assez conséquent quand même. J'ai bien fait de revenir. Hein. Réactivité. Ça a l'air d'être la résistance là. Enfin, je sais pas trop. On repassera pour la traduction. Hein. Réactivité, c'est l'ordre de combat, la vitesse quoi. Pas faire le radin. Un chargeur. Ça a l'air bien ça. Je suis venu chercher des baies pour mon père. Les baies sont de l'autre côté de ce passage fermé. Oh chouette. Les baies scintillent un peu. Merci. Avec ces baies, je vais pouvoir soigner mon père. Vite, je dois aller lui rapporter tout de suite. Et la stèle ? Parce qu'on a ramassé une vulgaire baie quand même. Hein. Maman! Pourquoi fais-tu toujours autant d'histoires? Je viens prendre ces baies pour soigner mon père blessé. Ça va tous les deux? Pourquoi ce tremblement de terre? Je t'ai toujours dit de pas venir ici. Tu vas bien, c'est l'essentiel. Rentrons!
Mère Piffer, ouais. Je crois que c'est un boss. Tu vas tâter du bâton, mon pote. Souffle pourri. Ouais, l'écriture elle est horrible. Hein. Enfin, la police, hein. L'écriture est horrible. T'énerve pas, Nanatoru. Je teste. Non, si l'attaque avance, c'est pas bon pour moi ça. Je me suis dit, je vais pas soigner. J'aurais peut-être dû. Alors, par contre, les objets. Condition green. Ok. C'était ça, me semble-t-il. Ah, mais ma force, elle est pas au max, là, si. Ah, si. C'est juste qu'en fait, ça prend une seule barre. Très bien. Let's go. Et une contre-attaque, en plus. Du coup, je vais enchaîner ça, là. Piou. Oh, c'était pas super, là. Hein. Arme chargée, c'est 100% de précision. Ça augmente les dégâts aussi, semblerait-il. En tout cas, il a plein de points de vie, lui. Hein. Rudy jette la baie sacrée aux zombies qui revient à la vie. La lumière curatrice de la baie sacrée réduit le zombie en bouillie. Super, t'as vaincu le zombie. Maman, que s'est-il passé? Par ta faute, le village de surf subit une tragédie. Je te connais, tu possèdes l'arme, le pouvoir interdit. Je n'aurais pas dû, mais j'ai regardé dans tes affaires l'autre jour. L'arme a tiré le malheur sur nous tous. Le chasseur de rêves, Rudy, nous a tous maudits. Ce tremblement de terre a dû être provoqué par Rudy. Silence, vous tous. Rudy, merci d'avoir sauvé ce garçon. Mais en ouvrant le chemin interdit,
Tu nous as tous mis en danger. Tu possèdes toi aussi une arme. Un jugement sera prononcé selon la loi de notre village. Es-tu d'accord? Non. Les choses sont ainsi, Rudy. Même si tu es un chasseur de rêves, tu as violé notre loi. Nous devons te juger, tu n'as pas le choix, Rudy. Tu dois nous suivre. Oui. Le garçon a attiré les foudres sur le village. Il nous faut intervenir. Ce n'est qu'un chasseur de rêves. Cela peut sembler cruel, mais il peut nous faire du mal. Lorsque le sceau s'est brisé, la terre a tremblé. Le village a été ravagé. Ça fait penser quand même à Secret of Mana. Hein. On va me bannir, c'est sûr. On va me bannir de poteau. Nous sommes donc d'accord. Nous allons le prier de partir. C'est moi qui l'ai amené, c'est donc à moi de l'informer de notre décision. Nous épiez-tu, Rudy? Tu connais donc notre verdict. Je te demande de faire tes bagages et de partir. Et ne reviens plus, s'il te plaît. Mon mari m'a dit que tu avais commis un crime. Ne viens pas me voir, si je te prie. Ah ouais, maintenant je suis le pestiféré, quoi. Alors que je travaillais bien et tout. C'est toi le responsable du tremblement de terre. Tu as semé une grande panique ici. Nous ne sommes pas responsables, c'est toi qui es à l'origine de cette pagaille, toi seul. Tu as profané ces coutumes qui nous sont si chères. Je le savais, on ne doit pas faire confiance aux étrangers. Ils volent le travail à nous les Français. C'est fou le nombre de jeux où on se faisait kick de notre village natal avant. C'est de ma faute, pas de la tienne. Ah, quand même. Désolé, mais nous devons protéger nos enfants. Tout est de ma faute. Je te prie de m'excuser. Si je ne m'étais pas blessé, ni toi ni mon fils n'auriez vécu cela. J'implore ton pardon. Bon, ben, je crois qu'on peut s'en aller, hein. Y en a pas un qui me donne un petit cadeau pour mon départ, là? Les chasseurs de rêves créent toujours des problèmes. Ils sont irresponsables. Tiens, pour la peine, je vais tout casser chez vous. T'as sauvé notre jeu, t'as travaillé sans être payé. Allez, casse-toi. Je le regrette, mais je n'ai pas le droit de traiter avec des personnes qui violent la loi. Les chasseurs de rêves ne sont pas les bienvenus, je l'avais compris. Tu m'as sauvé la vie, j'étais si désemparé. Je sais que tu as fait ce qu'il fallait, ce sont eux qui ont tort. Je voudrais juste te remercier. Je dois rentrer, encore merci. De rien. Il a utilisé son pouvoir pour les protéger. Mais ils l'ont rejeté, par méfiance. Il possède un pouvoir qu'il n'a jamais voulu. La capacité de se servir de l'arme secrète. Inconscient de sa puissance innée, il parcourt encore le monde à la recherche de son âme.
Ah, fallait peut-être changer de perso en vrai. Vue vidéo, vue de car. C'est quoi ça? Par contre, j'ai un espèce de scintillement sur la map, je comprends pas. Bref. On va se balader. Hein. Bienvenue, que puis-je pour toi? C'est comme tu veux, mais à partir d'un moment, faudra changer. D'accord. Embuscade. Je présume que les auberges, ça... Ça recharge pas le flingue, si. Bah là, ça scintille plus. On dirait Adelaide, au sud-est. Adelaide, au sud-est. Col de montagne, au sud-ouest. Donc c'est une ville, je présume. Allons à Adelaide. Au château, je pourrais changer de perso? D'accord. En fait, je pouvais déjà, là, si j'ai bien compris... Lorsque ça m'a proposé bah, les autres persos, tout simplement. Hein. Ah, le changement, c'est au perroquet. C'est là où on sauvegarde, quoi. Très bien. Salut, bienvenue à Adelaide. Une fête aura lieu prochainement. Ok. Que vas-tu? Je veux enregistrer.